Chers frères, comme on le voit à travers cette définition, toute la vie terrestre est épreuve. Toute la vie terrestre est épreuve. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé, Tabarak alladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-'aziz al-ghafur. Exalté soit Allah, celui de la main de qui s'est mis la royauté. Il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de faire savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et celui de tout puissant, le pardonneur. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes. Et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Ainsi, chers frères et sœurs de l'islam, la vie humaine a été créée pour distinguer les meilleurs serviteurs, ceux qui agissent bien, ceux qui parlent bien, ceux qui travaillent bien, ceux qui réfléchissent bien, ceux qui aiment bien, ceux qui se comportent bien avec leur Seigneur, avec leur prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec leur famille, leurs frères et sœurs, leurs compatriotes et l'ensemble de l'humanité, voire de l'univers, y compris la nature et l'environnement, et ce qu'ils renferment. Il ne s'agit pas donc de trop ou de beaucoup faire, mais de bien faire tout ce que l'on a à faire, que ce soit pour ce bas monde ou pour l'au-delà. C'est le principe de la qualité avant la quantité. Le prêtre a pour objectif, pour sagesse, de faire la distinction entre les serviteurs, d'élire certains d'entre eux, de les élever au rang ou au rang, dans ce monde et dans l'au-delà, de faire d'eux des guides pour les autres, tels les épreuves scolaires qui permettent à certains candidats d'obtenir des distinctions, notamment des bonnes notes, des diplômes, des encouragements des supérieurs, l'orientation vers les études supérieures et les meilleurs débouchés pour ainsi devenir des savants, des scientifiques, des experts et des spécialistes dans les différents domaines de la vie. Tandis que ces bonnes épreuves écartent d'autres candidats et les éliminent de la course vers l'excellence et les niveaux supérieurs dans les études et le travail. On comprend aisément que l'épreuve divine n'est pas forcément synonyme de malheur ni de punition, mais son aboutissement dépendra de la traduction qu'a fait le serviteur et de son comportement vis-à-vis de son Seigneur à travers cette épreuve. L'épreuve divine forme et fortifie les serviteurs forts, courageux et déterminés, tandis que détruit et fait disparaître les serviteurs faibles, craintifs et indécis. À cause d'une même épreuve scolaire, par exemple, les candidats sont répartis en trois grandes catégories, passant, redoublant et exclus. Sachez, chers frères et sœurs, qu'en dépit du fait que toute la vie terrestre constitue un objet d'épreuve et de tentation pour les serviteurs, il y a quelques domaines où objets d'épreuve et de tentation sur lesquels l'islam a particulièrement mis l'accent à travers le nombre Coran et l'authentique sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tels que les cinq exemples suivants. 1. L'insécurité. 2. La famine. 3. La pauvreté. 4. La mort. Et 5. La sécheresse. Allah le Très-Haut a dit à propos de ces cinq domaines objets d'épreuve, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Très certainement, nous verrons par un peu de peur, de famine et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux environs qui disent quand le malheur les atteint, certes nous sommes en larmes et c'est à vous que nous retournerons. Ceux-là sont les bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Voilà, chers frères de Saint-Islam, cinq domaines ou objets à travers lesquels Allah, subhanahu wa ta'ala, éprouve ses serviteurs à travers le temps et l'espace, sans aucune distinction, et aucun individu ou peuple n'y échappe. Cependant, les conséquences de ces épreuves seront différemment ressenties par les
rappelle le cas du prophète Youssouf alayhi salam, qui avait planifié l'économie du peuple de Pharaon pour leur faire éviter les pires conséquences des épreuves de la sécheresse et de la diminution de production. Ainsi, face aux différentes épreuves que traverse notre cher pays Niger, en l'occurrence l'insécurité, les conséquences des sanctions de la CEDEAO, les inondations et autres menaces, nous prions Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux, d'avoir pitié de ces pauvres serviteurs, de leur pardonner, de leur faire miséricorde et d'éloigner d'eux les calamités, les catastrophes et autres épreuves collectives et individuelles. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous davantage. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous davantage. La hawla wa la quwwata illa billah. Chers frères et sœurs, c'est le lieu ici de souligner l'obligation de faire l'unité de nos êtres émis, d'aimer notre pays, de multiplier les prières individuellement et collectivement et de faire preuve de patience et de résilience face à la situation économique et aux catastrophes naturelles. Par ailleurs, il faut éviter d'exploiter ces moments d'épreuve de façon inhumaine, comme ceux qui ont vendu les sachets d'eau à 1000 francs aux personnes bloquées à soleil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste davantage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre des épreuves de la vie et retourne les balles de nos ennemis contre eux et les saisisse par là où ne s'attendent pas. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et bénisse davantage notre cher pays Niger, son peuple, et qu'il nous protège davantage ainsi que notre cher pays Niger, son peuple, qu'il nous accorde ce que nous cherchons de bien et nous épargne ce dont nous avons peur, qu'il nous mette de la pitié, de la compassion, de l'amour dans nos cœurs pour qu'on puisse aimer et aimer le bien les uns pour les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tienne pas rigueur pour nos fautes, nos péchés et nos mauvais comportements. Seigneur Allah, quiconque nous avait ou envoie à notre cher pays religieux ou à notre religion d'Islam, Seigneur Allah, saisis-les par là où ne s'attendent pas et montre-nous à travers lui les signes de ta puissance et fais en sorte qu'il devienne une leçon et un objet de méditation pour les dieux d'intelligence. Certes, tu vois tout, tu entends tout et tu sais tout et rien n'échappe à ton contrôle. À toi, nous nous confions, Allah. Et à toi, nous confions nos affaires, notre cher pays Niger et notre religion d'Islam, et tu ne perds jamais ses comptes et confits. Il ne perd jamais ses comptes et confits. Amin ya Rabbal Alamin. Adam sallim wa sallim wa ala rasulikum Muhammad kum wa kutu bidari. Allahumma sallim wa sallim wa barik wa alihim. Alamdika rasulika Muhammad wa alihi wa sallam wa ala sahabi al-bahid. Wa anna bi rahmatika ya rahma wa rahim. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اعين الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولاخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم اصلح حالنا وحال بلادنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.